Dans cette histoire, il y a plusieurs histoires, lointaines et si proches. Il y a la maison de l'enfance, à Santiago du Chili, et une famille unie. Il y a la rue Santa Fe, et la maison où un couple et ses enfants vivent une vie banale et intense. C'est pourtant la clandestinité. Il y a un coup d'État, et toutes ces vies écrasées. Il y a la torture. ¿Cómo teníamos esa capacidad de seguir viviendo a pesar de esas cosas? Il y a tous les amis. Il y a Miguel, l'homme que j'aimais. Miguel mort au combat rue Santa Fe dans la résistance contre Pinochet. Il y a notre maison criblée de balles et le courage des voisins. Yo un rato ya pensé, lo mejor ya se está desangrando mucho. Y le dije al de la ambulancia, saquémoslo. Il y a l'exil et sa nostalgie. Et quelques retours. Il y a les femmes, les jeunes des quartiers populaires qui résistent contre la dictature. Et il y a la fierté dans leur regard. Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Il y a aussi le doute. Si estamos bien o no estamos bien. C'est une histoire comme toutes les histoires qui n'a ni fin ni commencement. Tant qu'il y a injustice et répression, c'est toujours de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale.